37 organisations non gouvernementales internationales ont ratifié la Charte pour le changement C4C qui comporte 8 principaux engagements pour lutter contre les déséquilibres et les inégalités dans le système humanitaire mondial. Un atelier de 3 jours a été organisé avec l'appui d'Oxfam dans l'objectif de booster la localisation humanitaire à travers les efforts de collaboration, d'appui, de communication, de coalition et de plaidoyer au nom du plus grand réseau de signataires et d'endosseurs de la Charte pour le changement en RDC. Nous allons tous assurer que, à l'issue de ces activités, qu'il y ait effectivement un document de plaidoyer capable de faire changer les choses dans l'objectif de ce que nous avons annoncé. Séraphin Moulimiloa, conseiller au ministère du Plan qui a ouvert cet atelier au nom du ministre, a salué la contribution du Royaume de Belgique à travers Oxfam. À travers cette activité, nous encourageons les autres acteurs nationaux et internationaux à suivre ces modèles. Considérant sa place prépondérante dans la formulation de la réponse aux crises multiformes à travers les pays, le gouvernement de la République, à travers ses différents ministères spécialisés, s'est engagé à apporter son accompagnement aux différentes parties prenantes. Les signataires de la Charte se sont donc engagés à apporter des mutations dans le cadre de leur propre méthode de travail organisationnel afin que les acteurs locaux nationaux parviennent à jouer un rôle accru et plus important dans la réponse humanitaire. Près de 390 promoteurs d'ONG nationales et locales ont rejoint la C4C.